Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour tout le monde, bienvenue au Sous TV Lacay. Encore une fois, nous comptons avec vous. Je vous dis ainsi, et donc jeudi 18 novembre. 18 novembre 2021, jeudi à la si, et bataille de vêtements dans le pays d'Haïti, t'as donné une grosse fête, bagaille sérieux, malheureusement, quand j'ai une situation pays d'Haïti, et bien l'État n'a pas qu'à ouvrir quoi ou trop, parce que bandit, c'est eux-mêmes qui a dirigé le pays ça. Et bien nous portons une information pour là, avec un JPPC qui fait que sous la guerre, et bien un gros dossier là, dans la République, qui peut le faire saisir tant de dossier assassinat président Jovenel Moïse, tout détail, divers anciens ministres, qui ont même là, t'as supposé pour commencer par eux pour prendre code, parce que un pile dossier commence à sortir et c'est ça qui peut le faire étonner. Et puis dossier bandit qui attaqué un local côté que t'es vote ou qu'a fait plusieurs monde blessé prend balle, nous pour inviter au détail avec un porte-parole PNH Lagari de aussi qui pourrait dire non plus sans perdre de temps en entrant dans information. Voilà. Donc après Aristide, qui est-ce qui avait organisé les élections pour Michel Martelly? C'est qui est-ce qui doit organiser? René Préval? La deuxième version. Deuxième version. René Préval, deuxième version. Il n'y avait pas de machine pour Michel Martelly. C'est le secteur privé qui avait investi pour Michel là. Mais par contre, Préval te font machine pour Jules Célestin. Il te font machine. Comme président. Comme candidat. Maintenant, machine pouvoir, tout est metté pour Jovenel qui a venu au pouvoir. Machine financière là, laissez Michel Martelly au pouvoir. Dans la première version, c'est ça que fait. Ils ont contesté le résultat. Mais machine n'était sous pouvoir à preuve. Comment il s'appelle déjà le type qui était le bon ami de Jovenel avant de mourir? Qui n'a pas encore passé, parce que M. Mouria. Zéphirin. Pourquoi j'ai dit ça? Pas ami. Non, pourquoi j'ai dit ça? Non, il n'est pas son ami. Parce que quand quelqu'un est l'ami de quelqu'un, l'homme de confiance, l'homme mourit. Après mourir, il faut examiner là, il faut faire tout ce capable de manière visible et non derrière les rideaux pour aider et surtout dans les conditions. Quittez ça passé. Donc, Jovenel, la machine gouvernementale, je cite le nom de Zéphirin parce qu'il a été ministre de l'Intérieur pour faciliter la passerelle entre l'argent du ministère de l'Intérieur, les structures décentralisées du ministère intérieur pour soutenir la candidature de Jovenel Moïse. Comme si Jovenel, quelque part, avait été soutenu par la bourgeoisie traditionnelle, etc. Mais la machine, je parle de la machine, je souhaitais de faire référence à la machine gouvernementale placée pour aider les gens. Donc, n'est-ce que ça aura demandé, c'est de manière traditionnelle, tout pouvoir est toujours... Donc, il y a même pas mal de prendre pour le bail technocrate. Donc, il faut signaler également, il y a des candidats qui ont utilisé machine l'État pour arriver dans l'autre poste également. J'aimerais se dire, la machine de l'État a été mise en branle, mise en mouvement. Son bail, personne m'a jamais pour Jude Célestin. Attention, je salue Jude qui est un ami. Donc, c'est pas une critique acerbe, c'est une analyse logique à partir du pouvoir, parce que pouvoir a soutenu le monde qui a été choisi comme candidat, ce qui est normal. Si c'était Gary Pierre Pochal, il t'a mis comme la DM tout. Donc, j'ai dit ça, ce n'est pas pour dénoncer, c'est pour une analyse comparative par rapport à ce que les gens maintenant veulent que Ariel baille au pouvoir pour être capable, eux-mêmes, de jouer le moyen pour aller à l'élection. Et machine, ça a été mis en mouvement pour empiler l'autre monde. Néguinité, par exemple. Joe. Non. Sorel, cette machine a été mise en branle pour JJJ. Hein? Jean-Joseph. Jean-Joseph Joël. Et j'avais participé moi-même. J'avais couvert une manifestation en grande pompe à Pétionville. Quand tu as des machines, nous sommes pas ça. Don Cato, tu es sous bagage ça. Je crois que Diritardier était là également. Donc il y avait toute une machine. Là, j'en mettais donc pour faire contestation, etc. Donc la machine du régime était en place pour soutenir ses candidats. Wenceslas Sambert, Gracia Delva, Ronny Célestin, Yuri La Tortue, grâce à son oncle Gérard, parce qu'il était dans le pouvoir déjà, M. Mette pied à terre et des postes qu'il donnait ou qu'il négociait. Il m'a dit l'argent, non, après. Hein? Qu'il négociait dans son département, ça m'a monsieur une popularité extraordinaire. Donc,
Bien que. Ah, il va suffisant, non? Pour que machine d'État, pour que. Justement. Parce que si c'était le cas, j'utilise laissé la prison. Oui, justement. C'est ça, donc, c'est bémol, ça. Oui, il faut s'assurer que l'appareil de l'État n'est pas suffisant pour gagner les élections. Il faut être également populaire et avoir un parti solide. Il y a des gens qui gagnent tout. Il y a des gens qui gagnent tout. Et c'est des gens qui gagnent tout. Exactement, il y a des gens qui gagnent tout. Donc, il faut maîtriser la machine de l'État pour gagner les élections. Je vais donner un exemple. Comment vas-tu? C'est un plaisir de te voir, Watson. J'ai été témoin des élections organisées au niveau de l'Artibonite, du département de l'Artibonite. À cette époque, il y avait une personne qui était, disons, très proche, qui était candidate à la mairie de Dessalines. Je profite de l'occasion pour saluer ceux qui étaient candidats et ceux qui avaient fait le déplacement pour venir, n'est-ce pas, lors de présentation de candidature, etc. Mais, tu as gagné Yuri Agracia, Gracia Delva, a fait PAM tout le temps, qui était candidat. Mais quand, l'autre candidat était candidat mairie, marchand des Salines. Je viens comprendre élection. C'est là ça tout bon, monsieur, ma propre. C'est parce que vous avez droit pour soutenir Ariel, mais nous-mêmes, nous avons droit pour une bonne information. Donc, qui t'aime dit nous, Claude Joseph, qui est ministre des Affaires étrangères, pays d'Haïti, DCPJ, contacte-t-il. Et DCPJ dit, Samy Andal gagne un ticket pour un vol qui a sorti Miami qui pourrait aller en Turquie. DCPJ donc relé Claude que il a plaigné le fait que yo connaît Samy Andal Miami et selon source que yo gagne de gouvernement américain. Ils ont demandé la police américaine d'arrêter Samy Andal. Police américaine, ils ont répondu non. Ils n'ont pas qu'à arrêter Samy Andal. Pour qui ça? Depuis le 7 juillet, il y a eu une demande qu'on fait Interpol pour arrêter Samy Andal. Et c'est des CPJ qui t'a fait demande là. Et système Interpol là, pas jamais mettre en mouvement, pas jamais activer demande ça pour arrêter Samy Andal. Donc, la police américaine pas de gain outils juridiques n'amen pour arrêter Samy Andal. Et Homeland Security informé des CPJ que Samy Andal pourrait quitter les États-Unis, il pourrait le suivre. Et le CPJ a fait effort pour le rescuer de carité Samy Andal aux États-Unis. Mais malheureusement, il n'y a pas d'arrivée à arrêter. Et le CPJ dit, bon, face à la situation ça, comme nous n'avons pas gagné les outils nécessaires pour nous arrêter, nous transférer le dossier par Claude Joseph, qui est ministre des Affaires étrangères. Et Claude, il a recevoir le dossier, il dit avec des CPJO et m'a cité. M'a arrêté, monsieur, quand même. Mais des CPJ, son ministre qui parle. Il dit d'accord, mais il y a tout est gagné en pile qui est suspicieux, il n'y a pas fin de quoi, parce qu'on compte comment il va. Qui ça Claude Joseph fait pour le monde qui t'a parlé en pile? Parce que je viens là pour m'expliquer. Claude, je vais vous information. Il dit que c'était n'importe qui monde. Ouais, je dis que c'est le monde, même si je vais expliquer pour n'importe qui monde. Claude,
li pren kontak avec Zamine, et insiste, avec Zamine et homologue li, qui c'est Mevlot. Monsieur, c'est ministre affaires étrangères en Turquie. Li rele monsieur, li prend contact avec elle de manière personnelle, li rele, et Claude Dille, mes informations gagnent, mes moun, yon nan moun qui tue le président, ou bien participe dans le complot, monsieur prend avion pour la Turquie. Et puis, yon m'a des détails. Claude dit, toujours selon sous là, que monsieur non vol Turkish, T-U-R-Q-I-S-H-L, airline. L'a quitté Miami le 14 dans la soirée et l'a privé Turquie le 15. Elle m'a dit, jeudi à même. Dans le matin. Et chancelier turc là, il mettait toute structure en mouvement net. Et puis à 8h03, Jean-Louis Pierre Tabay, chef, Jean, premier ministre, t'a parlé avec Badjoua. Hein? À 8h03, ambassadeur turc là relé Claude. Et puis il dit, il est sous notre contrôle. Il dit, il a arrêté, monsieur. Claude a répondu, mais ok, très bien. Et Claude, il a raccroché, il a relé DCPJ pour l'informer qu'il a arrêté Ondal, qu'il a cherché. Donc, Claude, comme dit nous, tu as utilisé tout un canal diplomatique formel à côté de l'appel, de la proximité que le gars avec son homologue, ça le fait. Le DCPJ voit un dossier à Bali. L'écrit ambassadeur d'Haïti qui accrédité en République dominicaine. Il voit un dossier pour lui, il dit transmettre dossier à l'ambassadeur turc là, qui accrédité tout en Haïti, Walter Komous est diplomate, hein? Mais qui n'a pas gagné bureau en Haïti. Qui est en République dominicaine, qu'on y a ambassadeur d'Haïti a voué dossier ça. By ambassadeur turc là, qu'on y a livoué by ministre affaires étrangères turc là, ça veut dire dossier a utilisé sous deux canaux différents. On compte monsieur Relé de manière informelle en tant que zami, en tant que ministre affaires étrangères homologue, de l'autre côté il transférer dossier ça. Donc l'homme dit dans tout là Claude jouait un rôle fondamental, je ne pouvais pas donner plus de détails dans ces lignes. Maintenant, il faut connaître que Claude jouait un rôle et jouait partition. Mais il faut me rappeler, nous, l'élite premier ministre, il te dit qu'il a participé, Caracol te dit qu'il a participé dans l'assassinat. Mais qu'on y a, chaque temps qu'il travaille pour arrêter le monde, il faut aussi citer non. Mais jusqu'à présent, dans 24 et 26 monde que juge d'instruction entendait, il n'y a pas que j'aime citer non Claude Joseph. Parce que c'est ça, oui, pour nous comprendre. Donc, ou même qui voulait, comme un PHTK, qui pas voulait ouais Claude, ou bien comme fanatique aveugle, Ariel, qui pas voulait ouais Claude, moi-même, pas non, ni voulait ouais, ni pas voulait ouais. Moi-même, moi, dans diffusion des formations. Donc, il faut être clair. Que toute bagaille clair que arrêter Samy. Et bagaille la belle. Parce que Samy, c'est une personnalité clé dans la question. Bon. Et il faut me dire tout le monde, pas oublier c'est Claude qui te menait, Jovenel Turki. Faut me compte ça. Jovenel pas de aucun rapport, c'est lui qui te menait. Donc, monsieur Gampil Samy Turki. Ça veut dire, première nouvelle là, il a arrêté Samy. Toujours dans
dossier Jovenel Moïse. Marco, les films ouais. Nouvelle ça, m'attend que vous-même à Mano aidez moi là-dedans. Parce que je ne pourrais pas seul. Parce que nouvelle là trop lourd. Après ce couple, c'est. T'as charge. Longtemps, ou longtemps, le map de nouvelle ça, je propose. Oui, longtemps propose. Je propose. Qu'on y a à cause de télévision, je fais réseau pour la proposer. Ouais, Walter. On a proposé tout le monde. Après, il y a un téléphone pour dire pas mon enfant. Le juge d'instruction Gary Aurélien matin recevoir des étrangers qui parlaient anglais, français. Il y a des haïtiano-américains là-dedans. Ils ont débarqué dans le bureau du juge là. Ils ont dit que le juge là a besoin de pièce à conviction qui a rapport à l'assassinat de Jovenel Moïse là. 107.7 FM stéré. Ils ont besoin de numéro série pièce. Le juge d'instruction a catégoriquement, Marco, refusé. Oui. Et il estimait chaque rivière son tentative, son menace que vous faites sous lui pour intimider. Parce que lui-même, il a déjà commencé le travail, il est très loin dans le dossier. Monsieur qui vient contre juge là, il dit, c'est DCPJ qui bat au numéro juge là, avec numéro greffier pour te relayer avant. Le juge là, ouais, ou numéro drôle après l'aile, sur moi, je vais avoir une information maintenant. Juge là, bloqué numéro ça. Et c'est même Mounsayo qui débat. Qui vient sur le juge là? Comment on va avoir un juge là en téléphone? Il est débarqué avec un juge là. Mais, Marco, tout le monde qui débarque, c'est des gens étrangers armés. Ça qui est là. Va voir. Hein? Porte là, papa. Hein? Évitez là, ok, d'accord. Tout le monde qui est entré, Marco, c'est des gens armés. Sécurité juge Jacounia, n'est que mettez en tenue, comme si en position de combat. Parce que par contre, ça qui passe. Mais selon source judiciaire, n'est que entré, Manon Militari, et entré dans le bureau juge Jacounia, avec force. Et policiers ont été vigilants et juge là en confiance pour te dire non, nous avons droit à ça. Donc, c'est pour tirer à faire pitié. C'est une affaire importante et très sérieuse. Jodia, juge là, mandé population pour aider parce que. Il commençait à prendre l'autre pression parce qu'un côté n'est pas arrivé. Donc, monsieur, l'affaire, c'est son bagage qui est extrêmement important. Marco. Bon. Et nous avons dit ça tout à l'heure là, derrière. Donc, il est sorti tout doux, il y a une information qu'on peut bailler sur ça. Et si effectivement, pays a l'État voulait. Et les policiers n'ont pas perdu la vie. Effectivement, et selon toute information qui est assemblée sortie dans une succursale en bas qui trouvait dans un île à voix. Et puis, de mon armée et tiré en direction et les combats au niveau de Domani, mais opération réussie hors du danger. Mais nous apprenons tout hier soir dans Pétionville, tu as eu un incident qui arrivait.
à un groupe vaudouisant qui semblait avoir fait une cérémonie. Qui information gain sur ça? Et son incident vraiment regrettable. Ce matin, aux environs 2h, 2h30, dans la zone qui est Cerveau, et un pas Cerveau, et Nenek qui pouvait dans Pétionville, côté que du monde armé est entré, côté que l'activité vous doit attourner. Et puis, ça semble fouiller le monde, et puis, et deux mondes, malheureusement, l'équipe du Laveyo, c'est Nicolas Mélé, qui a 21 ans, en jeune, également Andy Sinclair, 44 ans, et qui a arrivé du Laveyo. Mais la police pas de fait un coup de filet pour t'arrêter ou bien poursuivre bandit qui fait attaque ça, qui fait Zach Malonette ça? Alors, généralement, on connaît l'activité de Zahiro, il est toujours bon pour que informer la police, et que ce soit activité au niveau de l'église, que ce soit activité côté que Cap de Némoun, les salles de mieux pour que la police même capable de prendre présence au niveau zone. Mais c'est l'incident et la police est informée. Malheureusement, les gens nous disent, deux mois, ils ont perdu la vie selon le commissaire Pétionville. Ok, il y a une mauvaise pratique qui a fait dans le pays, c'est lever cadavre sans pas faire constat. Est-ce que tu as un constat qui est arrivé fait dans le calamo? Et je ne sais pas tout le détail, mais ça entre dans une procédure normale. Je sais que dès que tu as un mort d'homme, et d'abord la police est informée, et puis la police fait appel à la juge de paix, et puis ils font un procès verbal, et puis ils ont levé cadavre.